Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, mais en tout cas ça va nickel et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire un live YouTube avec votre Xbox One, Xbox One S et Xbox One X. Alors pour ces trois consoles ça fonctionne, bon bien éventuellement j'en possède que une, voilà, je possède la S, voilà. Alors avant tout vous allez allumer votre console, moi c'est ce que je vais faire. Voilà, là ma console est allumée. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est super facile, c'est un tuto qui prend pas longtemps. Voilà. Alors ensuite, vous allez dans démarrer. Je rappelle que ça, c'est une version pour PC. Il y aura une version pour téléphone. Enfin, mobile, tablette et tout. Voilà. Voilà, on attend que ça charge. Voilà. Voilà, ici, vous allez arriver ici. Là, vous voyez que là, on a un ceci. Voilà, on a accueil, mes jeux, succès, capture, club, tendance, Microsoft Store, recherche et connexion. Ah ben, vous allez les cliquer là-dessus. Enfin, vous, ça ne sera pas marqué connexion. Enfin, si. Voilà. Voilà, là, vous voyez que là, actuellement, là, c'est ma console. Alors, vous, vous n'aurez pas ça. Ils vont vous demander d'ajouter un appareil. Vous allez faire ça. Voilà. Vous mettrez l'IP de la console. Voilà. Pour aller dans l'IP, vous allez dans paramètres. Système. Paramètres du système. Et vous allez avoir l'IP de votre console. Ok. Voilà. Là, c'est ma console. Ok. Si vous voulez d'abord tester la diffusion, vous pouvez. Voilà. Mais bon, moi, je ne la fais pas parce que j'ai une très bonne connexion. Et une fois que ça sera fait, vous connectez. Enfin, vous appuyez sur flux. Voilà, connexion sur Xbox One. Voilà, ça va commencer. Et là, ils vont vous mettre aucune manette n'est connectée à ce PC. Connectez-en une à ce PC ou à votre Xbox One pour puis appuyer sur continuer. Moi, je fais continuer. Et puis voilà. Voilà, vous entendez le bruit de la manette plus le bruit de la console. Voilà. Et puis voilà. Et ensuite, pour transcrire ça comme un live, j'ai OBS. Et OBS est mon meilleur ami parce que regardez, là j'ai fait quelques captures. Enfin, j'ai fait une capture de jeu. J'ai mis une fenêtre spécifique à cette capture pour qu'elle ne capture que ceci. Cette partie là, voilà. Alors je voulais vous préciser un truc, là vous avez ceci, modifier la qualité, très élevé, supérieur, moyenne, inférieur. Moi je la mets en très élevé parce que j'ai une très très bonne qualité. Ceci c'est les statistiques de la diffusion. Voilà, là c'est pour arrêter la diffusion, ça c'est pour mettre un micro, enfin pour réactiver le chat et tout, et ça c'est juste pour, voilà, appuyer dessus comme je l'ai fait. Et puis voilà. Alors ensuite, sur OBS, pour que ça soit plus facile, bah regardez, vous allez créer une capture de jeu, voilà, comme ceci, bon, moi je l'appelle comme je veux. Vous faites capturer les applications en plein écran. On ne fait pas ça, on va faire capturer une fenêtre bien spécifique. On va dans Xbox App, compagnon de la Xbox, enfin de la console Xbox. Voilà, hop, clique dessus, on fait OK. Alors, là, ce que j'ai fait une capture. Ok. Vous allez voir que ça va être noir pendant quelques instants au niveau de la vidéo, mais vous allez voir. Du coup, je fais re-OK, je coupe ma capture d'écran. Et voilà, regardez ce que vous avez là. Là, il suffit que je retourne dessus pour pouvoir effectuer certains trucs. Et puis voilà. Là, vous me voyez effectuer les petits gestes, je peux lancer Minecraft, voilà, comme ceci, voilà, et avec ceci je peux commencer le stream, mettre la clé de stream pour votre stream et faire un live YouTube. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, vraiment, c'était un tuto pas compliqué à faire.
Voilà, vous allez voir que vous allez en mettre peut-être un peu plus de 7 à 8 minutes, mais voilà, pas plus. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!